Hello, dear man, on 10 years, we no live in ye. You don't need to call you a bien ou ye. Fide a we of you, put on the tongue, eh? To get a little now, I'm over noon. Hello, dear man, on 10 years, we no let you check ye. Bon travail, papa. Merci, mon fils. Je suis venu te demander la permission pour travailler avec mon ami Kojo. On a un exposé le lundi. D'accord. Surtout, ne rentre pas tard. D'accord, papa. Tiens, ce sont les clés de la maison. Merci. Attends. Je crois que j'ai terminé pour aujourd'hui. Je vais rentrer. On part ensemble. Bonsoir, papa. Ma fille, ça va? Ça va bien, papa. D'accord. Bonsoir, Théo. Bonsoir, Sandrine. À lundi. Oui, à lundi. C'est ta copine? Non, papa. Mais elle te plaît. Théo, tu sais, à ton âge, apprécier une fille est une chose normale. Et tu peux m'en parler sans gêne. J'ai eu ton âge aussi. C'est vrai qu'elle me plaît un peu quand même. Mon fils grandit, hein. J'en suis fier. Mais tu sais, avoir une copine peut impliquer les rapports sexuels. Et il vaut mieux ne pas mélanger tout ça avec les études. Parce que ça reste ta priorité pour le moment. Oui, je sais, papa. Ce sont les études qui t'assureront une situation respectable quand tu seras adulte. C'est pour ça que tu peux avoir une copine sans aller forcément au sexe. Tu sais, Théo, quand on a une copine, le plus important, c'est de la respecter. Et il ne faut jamais se lancer dans les relations sexuelles sans être prêt. C'est vrai, papa, tu as raison. Il faut que vous le vouliez tous les deux et que vous vous y consentiez tous les deux avant d'aller à l'acte. Parce que cela doit rester un moment agréable pour vous deux. Aussi, est-ce que tu sais qu'il y a les maladies sexuellement transmissibles? Oui, papa. Notre prof d'SVT nous a expliqué que le préservatif nous permet de nous protéger contre les maladies sexuellement transmissibles. Et en plus de te protéger, il te permet d'éviter les grossesses non désirées qui gâchent la vie de beaucoup trop de jeunes. Oui, c'est vrai, papa. Nos professeurs nous sensibilisent souvent sur les grossesses non désirées. Voilà. Et ils font bien en le disant. Bon, papa. Il faut que j'y aille maintenant. Je suis vraiment content d'avoir discuté avec toi de ce sujet. Moi aussi, mon fils. Et n'hésite jamais à me parler de tes préoccupations, quel que soit le sujet. D'accord? D'accord, papa. Parce que je suis ton papa, je me dois de te protéger. Merci beaucoup, papa. Oui, Piston, à tout à l'heure. Ok. Et un instant, je crois que je dois avoir quelque chose pour toi. Voilà. Merci beaucoup, papa. Ça te plaît? Ouais. Oh. À tout à l'heure. Le dialogue permet aux parents de facilement orienter l'éducation et surtout de comprendre leurs enfants. Privilégions le dialogue. Ceci est un message du ministère des Affaires sociales, du ministère de la Santé, avec l'appui technique et financier d'Enabel au Bénin.